lettre ouverte du CNRC et de l'appareil CORC aux élus européens qui dénoncent la tragédie congolaise. Soutenez le peuple congolais, ne soutenez pas Félix Tshisekedi, un collabo dictateur en herbe et allié des agresseurs de la République démocratique du Congo, pays occupé. Ne trahissez pas, messieurs, votre propre histoire, car pour mettre fin à l'occupation nazie en Europe, les alliés se sont appuyés sur les résistants et non sur les collabos européens. Messieurs les députés, messieurs les présidents des partis, c'est avec une grande satisfaction que le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, et l'appareil CORC, avons suivi les interventions vidéo, notamment de plusieurs personnalités belges et françaises, à propos de la situation très préoccupante qui perdure dans l'est de la RDC et dans la ville de Goma particulièrement. En effet, vous avez pour la plupart trouvé des mots justes pour décrire l'horreur qui a pris place dans cette ville. C'est une avancée remarquable et nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude. Toutefois, comme dans nombre de ces situations de guerre, la réalité n'est pas si simple à appréhender au risque de ne plus apprécier à leur juste valeur les efforts des uns et des autres. Il se fait que la situation que certains d'entre vous ont décrite pour la ville de Goma est comparable au sommet de l'iceberg émergé, puisque dans la même région, des villes et des villages entiers sont déjà tombés sous le contrôle des envahisseurs rwandais qui en contrôlent les revenus douaniers, l'exploitation minière, procèdent au déplacement, au remplacement des populations autochtones, à l'épuration ethnique, etc. Et tout ceci avec la complicité implicite du pouvoir de Kinshasa dont la riposte laisse à désirer. Le CNRC rappelle que la ville frontalière de Bunagana est tombée depuis plus de 600 jours maintenant et dans le silence complet de la presse nationale. Les citoyens qui ont voulu porter la situation à la lumière par une marche pacifique ont été tout simplement interpellés et mis en prison sans toute autre forme de procès. Il y a lieu de se demander pour qui roule réellement le gouvernement congolais. Le territoire de Walikale, Rutshuru, échappe au contrôle du gouvernement congolais au point que les compatriotes qui y vivent n'ont pas pu participer aux dernières échéances électorales. Vous n'ignorez peut-être pas non plus qu'une communauté rwandaise s'est octroyée un territoire entier sur les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Itombwe et se réclame comme une minorité dite Tutsi congolaise tout en tentant de faire croire qu'elle est originaire des collines de Mulenge à près de 100 km dans la cité de Minembwe, leur épicentre. Ils se sont inventé une chefferie et une langue pour prétendre à une identité tribale comme les autres tribus congolaises, sauf qu'ils sont sur des terres des autochtones Babembe et parlent le Kinyarwanda. Cherchez l'erreur. S'indigner de Goma fait finalement pâle figure quand on considère la complicité du régime de M. Chilombo, camarade de certains d'entre vous, à l'international socialiste, vu l'appartenance de son parti d'origine à cette organisation. Nous avons en effet noté que, à part l'eurodéputé Thierry Mariani, beaucoup des personnalités qui se sont le plus fait entendre ont en commun leur appartenance à la grande famille des partis de gauche. M. Paul Magnette, PS belge, M. Raoul Edebo, PTB belge, M. Botenga, PTB au Parlement européen, M. Carlos Bilongo, député de la France insoumise en France. Notre reconnaissance auprès de tous ces élus européens de gauche ou de droite, comme M. Thierry Mariani, qui ont eu à cœur de dénoncer l'agression injuste dont la RDC et le peuple congolais font l'objet depuis près de 3 décennies, ne peut occulter l'alerte que nous sonnons face à un régime d'occupation instauré à Kinshasa et dont Félix Tshisekedi est devenu l'exécutant le plus zélé. Un véritable fabricant de misère qui condamne de nombreux Congolais à quitter le pays pour tenter coûte que coûte de s'exiler en Europe ou ailleurs. C'est aussi grâce à lui que le Rwanda peut signer des accords comme celui tant décrié avec l'Union européenne visant l'approvisionnement de ceux-ci en minerais stratégiques par le canal du Rwanda. Ce pays, qui n'a pourtant pas ses ressources sur son territoire, bénéficie du fait que Félix Tshisekedi ne veut toujours pas fermer nos frontières avec le Rwanda. Ce refus permet à ce pays, donc le Rwanda, d'aller voler en RDC tous ces minerais au prix du sang des Congolais.
Le CNRC vous appelle tous à veiller à ne pas vous laisser manipuler par Félix Tshisekedi et ses partisans qui sont plus préoccupés par la préservation de leur pouvoir fictif plutôt que par le sort du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Que toutes les actions que vous menez, cher monsieur, visent le Congo comme pays et nation et non Félix Tshisekedi, le pétain congolais, qui reste lié aux agresseurs de la RDC par des alliances dont il ne s'est toujours pas défait. Félix Tshisekedi ne se préoccupe pas des valeurs que vous incarnez, il n'en a cure. Lui qui ne fait que peaufiner son étoffe de dictateur collaborationniste avéré. Tenez. Alors que notre pays est occupé par des troupes rwandaises, ougandaises et autres, il a préféré organiser des élections tout en se gardant d'écarter de nos institutions, de notre armée et de nos services de sécurité tous les agents de Paul Kagame. Pendant les élections chaotiques en question, qui lui ont frauduleusement octroyé un second mandat, nous avons assisté à des scènes de violence sur des femmes dans ce pays, déjà surnommé pourtant la capitale mondiale du viol et considéré comme l'un des endroits où les femmes sont les plus en danger au monde. Des femmes ont été sauvagement agressées par des partisans de M. Tshisekedi pour le simple fait d'avoir exprimé une préférence autre que la seule autorisée par ceux-ci, à savoir celle de M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. À ce jour, aucun des agresseurs de ces pauvres femmes n'ont été ni interpellés ni sanctionnés, ce qui confirme, une fois de plus, l'instauration officielle de l'impunité pour les partisans de M. Tshisekedi. D'autre part, pour avoir critiqué le pouvoir en place, une mère de famille, activiste, investie dans des actions humanitaires en RDC et vivant en Belgique, Madame Sandra Moudimbimbala, pour ne pas la citer, a d'abord subi une série de violences verbales dans les réseaux sociaux avant d'apprendre que sa propre mère, une femme âgée pourtant, avait été interpellée à Kinshasa. Dans la foulée, des criminels au service de M. Tshilombo ont jeté des cocktails Molotov sur sa résidence en Belgique au moment où elle s'y trouvait avec son mari et ses enfants, y compris des enfants en bas âge. Ils ont cassé sa porte et vandalisé sa maison. Comme si ce harcèlement ne suffisait pas, l'épouse et le frère de M. Tshisekedi ont traîné Mme Sandra en justice où, heureusement, leur action judiciaire n'a pas abouti puisqu'ils ont été déboutés. Le CNRC a également été informé, preuve à l'appui, des menaces proférées par des partisans de M. Tshisekedi à l'encontre de la journaliste Joëlle Kombé vivant à Kinshasa, simplement parce que celle-ci a invité dans ses émissions des activistes de la diaspora qui combattent Félix Tshisekedi. Moi-même, donc comme Dido Keke, et Kerwin Maïso notamment. Il faut évidemment ajouter à tout ceci l'affaire Chérubin Okende qui défraie actuellement la chronique en RDC. Alors que les preuves de l'assassinat de ce dernier sautent aux yeux, les magistrats au service de la famille Tshisekedi et ses complices, tapis dans l'ombre, ont déclaré que M. Okende se serait suicidé. Comment aurait-il pu se tirer plusieurs balles, y compris en dehors de son propre véhicule? L'absurdité, la méchanceté et le cynisme de cette conclusion de l'État congolais met en exergue le fait que des personnes membres de la famille Tshisekedi ou des proches de celle-ci sont étroitement liées à cet odieux assassinat. Cette affaire confirme la propension de Félix Tshisekedi à protéger les bourreaux du peuple congolais, lui qui a lui-même reconnu qui n'avait pas assez fait en matière de justice en RDC. Désormais en RD Congo, la liste des cas de violation des droits de l'homme ne fait que se rallonger, tandis que ceux qui sont auteurs de tous ces actes répréhensibles restent en liberté, couverts par Félix Tshisekedi et ses partisans. On peut citer dans cette liste des malfrats en tout genre, Joseph Kabila, le boucher de Tingi Tingi, assassin de Floribert Chebeya, mais aussi l'un des financiers des terroristes rwandais du M23. Azarias Rouberoy, responsable du RCD Goma, une milice créée par Paul Kagame et qui s'est rendue coupable des crimes parmi les plus atroces perpétrés justement à l'est de la RDC, comme le fait de violer en masse ou d'enterrer vivantes des femmes congolaises ou encore d'écraser des bébés à coups de pilon ou de les découper à la machette, etc. Messieurs, face à tant d'horreurs qui se poursuivent encore aujourd'hui, nous vous demandons de ne pas vous arrêter en si bon chemin. L'effort que vous avez fourni pour faire ces dénonciations mérite d'aboutir à des véritables solutions pour l'intérêt des populations de la RDC
et même de l'Europe, qui trouvent en vous un écho à leurs cris ou leur indignation face à tant de crimes perpétrés depuis près de 30 ans et réclament justice. Souvenez-vous également que l'administration Clinton, qui est au cœur du début de cette déstabilisation de la RDC, l'a fait pour combattre l'influence européenne et particulièrement celle de la France en Afrique. Les multinationales et les réseaux qui tirent bénéfice de ces atrocités ne s'arrêteront pas à la RDC. Ce qu'ils font dans notre pays, derrière le Rwanda ou l'Ouganda, prouve à quel point ils sont capables de mettre en danger la vie de millions d'êtres humains simplement pour assouvir leurs besoins hégémonistes ou expansionnistes. Face à de tels comportements, il n'y a pas que les Congolais qui sont en danger. Félix Tshisekedi, qui a été capable de s'allier à de tels individus pour ses propres intérêts, ne mérite pas votre soutien. Ne trahissez pas votre propre histoire et souvenez-vous que pour venir à bout de l'occupation de l'Europe par les nazis, les Alliés se sont appuyés sur les résistants et non sur les collabos. Le CNRC vous exhorte à en faire de même en République démocratique du Congo, pays occupé. À l'heure où la Russie et les États-Unis s'apprêtent pratiquement à s'affronter sur notre territoire par force interposée, la solution pour stopper cette escalade funeste ne peut venir que des décisions qui s'appuient sur la vérité et la justice et non sur les mensonges et l'hypocrisie. Pour résoudre la crise congolaise, Félix Tshisekedi, qui a été livré la RDC au pays prédateur de l'EAC, en nous introduisant dans cette organisation régionale sans l'accord même du peuple congolais, a prouvé à quel point il est sans foi ni loi, lui dont l'épouse et la famille profitent aussi de l'exploitation des minerais que les agresseurs de la RDC obtiennent au prix du sang des Congolais. Soutenez le peuple meurtri de la République démocratique du Congo, pays occupé. Ne soutenez pas Félix Tshisekedi, le pétain congolais. Paris, le 7 mars 2024, pour le CNRC et la PARECO-RC, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du Conseil national de la résistance congolaise, vice-présidente de la PARECO-RC. www.résistancecongolaise.com.